Bon les mecs, salut à toutes. Salut à tous, donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur mon pot. Enfin, cette petite vidéo sur mon pot, je vais comment vous faire voir, enfin je vais vous faire en vidéo comment le rattraper. Enlever toute cette merde là, toutes les tâches, tous les machins. Et puis je vais passer un coup de belle gomme pour qu'il soit tout chromé. Et je vais faire pareil pour la cartouche quoi. Elle est vraiment toute dégueulasse. Donc c'est sur le 85 qui est là-bas, sur le 85 qui est derrière. Donc pour ça il vous faudra attendez, je vais vous chercher la brosse. Donc pour ça il vous faudra ça. C'est une petite brosse en fait qu'on met sur une perceuse électrique. Donc vous mettez ça comme ça, vous coincez ça dans l'étau. Et après vous avez juste à bloquer l'axel un peu. Comme ça se fait tout seul. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît les vidéos comme ça là où je fais un peu de mécanique quoi. Vous me dites si ça vous plaît pas, bah j'en fais pas. Hein. C'est juste un essai là quoi, j'en fais le pot et la cartouche. Puis vous me direz dans les commentaires quoi. Donc vous voyez déjà là un peu, ça rend déjà un peu mieux. Hein, donc ça se voit que ça. Vous voyez bien la différence, hein, c'est bien tout chromé, puis là c'est tout encore. On remontera tout ça sur la moto. Puis on la démarrera pour voir ce que ça donne. Quoi. Bon, ça va pas changer grand chose, hein, mais voilà quoi. Donc, on va continuer. Voilà, donc déjà là on a. Déjà j'ai enlevé toutes les grosses traces là. Donc ça c'est fait avec la brosse. Donc après il reste plus qu'à polir le pot. Donc je ferai tout ça après. Là je vais faire la cartouche. Plus que le polissage. Et puis bah après voilà quoi. Ce sera bon, mais vous voyez bien quoi, la différence quoi, début après. Ça n'a rien à voir quoi, c'est le premier. Donc plus que la cartouche. Donc regardez hein, toute la rouille qui s'est mise. Là c'est un tout ça quoi, et puis vous allez voir après. Bon déjà, vous voyez la différence hein. Niveau là, puis niveau là, ça n'a rien à voir quoi. Donc, non, franchement. Donc, vous voyez bien la différence d'avant-après. Hein. Bon, là, j'ai les mains sales, mais il y a des traces dessus. Après, on va polir tout ça, donc il n'y a plus rien. Et vous voyez quoi. La différence n'empêche. Donc, ça rend super bien. Donc, attendez,
Voilà le résultat. Donc ça fait bien franchement. Donc voilà ça. Du bel gomme alu. Donc moi ma technique c'est pareil. Vous prenez un chiffon. Si vous avez un étau, vous mettez dans l'étau. Vous coincez la cartouche dans l'étau. Hop. Vous prenez un chiffon propre. C'est un petit coup au vent. Vous essuyez bien. Hein. Après, vous prenez un peu de belle gomme. Après, hop. Donc, vous en mettez tout autour, partout. Hop. Tout autour, mais vraiment partout, partout. Puis après, vous frottez. Mais vous frottez, quoi. Enfin, il va falloir en remettre plusieurs fois l'endroit où vous frottez, parce que ça fera pas un rendu direct en fait. C'est ça qui est chiant. Moi j'ai dû frotter avant que ça fasse un rendu là. C'est propre quoi donc. Hop, quand on essuie après. Voilà, ça fait un truc tout chromé. Je sais pas si vous voyez bien avec la lumière. Voilà ce que ça donne. Quoi. Là et puis là. Donc après, vous avez plus qu'à faire ça bah, sur la cartouche, sur le pot en entier, quoi. Et puis vous aurez un rendu parfait, quoi. Donc j'espère que cette petite vidéo, les mecs, elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Les vidéos comme ça, les mécaniques. Et puis, on va se laisser là-dessus, les mecs. On va se laisser là-dessus. Le rendu que ça donne, avec le polissage en entier. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye.